cappello viene portato sul 23 per tradizione, in quanto il re Carlo Alberto, quando è stato istituito il corpo del San Giorgio, quindi il sovrano all'epoca del 1936. Allora, on parle premièrement du chapeau avec les plumes, c'est que 1836. C'est symbolique du le premier uniforme qui était quand l'unité bersaglière, qui est une unité d'infanterie. Exactement. C'est une unité d'infanterie qui était commencée en 1836. Alors le chapeau, l'uniforme ou le chapeau date de cette année-là. Viene portato così, appunto dicevo, perché durante la vestizione proprio del primo bersagliere, Alessandro della Marmora, famoso generale italiano, lanciò il piumetto per testare la velocità del bersagliere, perché il bersagliere è un soldato molto veloce. Okay? Per testare la velocità del bersagliere venne lanciato proprio il piumetto, e il bersagliere, per velocità, essendo occupato alla vestizione, lo prese col capo, lo prese con la testa. Un piume? Sì, il cappello proprio. Quand ils ont commencé l'unité, le général... Alessandro La Marmora. Le général Alessandro La Marmora, il voulait tester la vitesse des soldats. Alors il a pris une plume, il l'a jetée. Parce que les soldats, ils étaient occupés, le premier soldat, pour attraper la plume, il l'a attrapé avec son chapeau. Donc, ils ont ajouté les plumes au chapeau. Si. Poi, dopo, è stato usato la mano, ha detto, tienilo così, lascialo così, per durante la mira col fucile, per riparare dai raggi del sole. La raison que les autres, ils ont continué à porter le chapeau sur un angle, c'est pour quand ils font le tir, pour les protéger du soleil.